Mon nom est André Marion, je suis candidat pour le parti Avenir Saint-Jérôme, équipe Marc Boursier, dans le district 9, quartier Sainte-Marcelle. Je suis père de 3 enfants et grand-père. Je suis impliqué dans mon milieu comme président de la Fondation communautaire des Laurentides et je suis membre du conseil d'administration de Culture Laurentide. J'ai été directeur général du Musée d'art contemporain, ici à Saint-Jérôme, et pendant 14 ans. Et je travaille actuellement comme directeur général de la Société nationale des Québécois des Laurentides. Je connais très bien le quartier Sainte-Marcelle car je l'ai sillonné pendant 4 ans en tant que conseiller municipal de 2013 à 2017. Les citoyens se souviennent de moi car je venais souvent les voir pour les aider quand ils avaient un problème. C'est avant tout un quartier avec des multiples facettes. Une partie du secteur longe la magnifique rivière du Nord avec ses cascades, alors que l'autre partie côtoie des commerces de grande surface. On y retrouve des condominiums de luxe. Des maisons unifamiliales. Mais aussi des habitations à logements multiples avec des citoyens ayant des revenus plus modestes. Le quartier Sainte-Marcelle est défavorisé en ce qui concerne les parcs pour enfants et les espaces verts, alors qu'on devrait trouver un parc pour la famille à moins de 10 minutes de marche de son domicile. C'est la norme. Mais il y a de grandes lacunes ici pour le quartier Sainte-Marcelle que je veillerai à corriger. Le quartier Sainte-Marcelle a aussi besoin de pistes polyvalentes pour vélos et piétons qui serviront à faire de la randonnée ou se rendre au commerce de proximité sans avoir à utiliser une voiture. Les voies ferrées désaffectées représentent l'endroit idéal pour aménager de telles pistes. Les connecter au réseau de pistes cyclables que notre parti prévoit aménager jusqu'à Saint-Antoine fera partie de mes engagements. Un autre enjeu est celui de la fluidité de la circulation automobile à l'angle de Jean-Baptiste Roland et du Grand Héron, ainsi qu'à la sortie d'autoroute pour accéder au Costco. En ce qui concerne les piétons, c'est risquer sa vie que d'essayer de traverser à cette intersection. Il n'y a absolument rien de pensé pour la sécurité des personnes qui s'y aventurent. D'autres enjeux me tiennent particulièrement à cœur pour Saint-Jérôme. Le développement des infrastructures culturelles, l'accès à la culture et la protection du patrimoine. Afin de bien saisir les besoins des citoyennes et citoyens du quartier, je souhaite participer à la formation d'un comité de quartier et je me ferai un devoir de vous écouter et surtout de donner suite à vos propositions. Je me présente avec le parti Avenir Saint-Jérôme, équipe Marc Boursier, car je pense qu'avec mon expérience et mes connaissances jumelées à celles de mes collègues, je pourrai améliorer la qualité de vie du district 9, trop souvent négligé ces dernières années par le conseil de ville actuel. Mais ne croyez pas qu'un parti ou un autre, c'est du pareil au même. Avec l'équipe de Marc Boursier, le 7 novembre prochain, nous pourrons vraiment faire une différence. Être fiers de nous, être fiers de Saint-Jérôme.